Douarnenez, c'est avant tout une vraie fête du nautisme. Et le spectacle est garanti, donc c'est un super week-end pour tout le monde. C'est un plan d'eau qui est extraordinaire. J'ai appris à naviguer ici à Trégoule, à l'école de voile. Donc j'ai commencé avec mes trois frères et sœurs ici, et c'est un endroit que j'aime particulièrement bien. On voit des bateaux, on voit des kitesurf, on voit des planches à voile, on voit des trimarans, on voit des catamarans rigolos, on voit plein d'engins naviguer sur cette baie magnifique, c'est vraiment extra. C'est des runs, c'est festif, c'est un peu d'exhibition aussi, voire beaucoup, parce qu'on est très près de la côte, très près de la digue. Et puis aussi c'est une phase d'entraînement pour l'équipage, le fait d'être aussi au contact avec Michel Desjoyeaux. On n'est pas là juste pour montrer les bateaux et faire de la voile, on est aussi là pour s'entraîner, pour continuer de s'acclimater avec le bateau, avec son utilisation. Le Grand Prix, c'est plein de satellites qui sont accrochés. On a commencé par les enfants, ensuite il y a eu tout le côté patrimoine au Port-Rue, la partie Dragon qui est internationale. On a une météo pas facile. Pendant une semaine, on a une dépression qui nous a tourné autour, qui est venue, qui est repartie, qui est revenue. Enfin, donc, elle a fait trois fois l'aller-retour sur nous. Et donc, en permanence, on a dû adapter le programme. Le Dragon, à ce niveau, ça ressemble à beaucoup d'autres catégories en voile. C'est-à-dire qu'il faut réussir à s'extirper d'une flotte de 75 bateaux sur la ligne de départ, où la flotte est toujours très, très compacte, très serrée. Le niveau, notamment dans la série, d'une manière générale, est très élevé, et notamment à Douarnenez, parce que les 15 premiers du championnat du monde étaient présents, donc la plupart des meilleurs équipages se retrouvent à Douarnenez. C'est vraiment l'épreuve de référence dans le circuit du Dragon. C'est très lent, c'est très technique, on peut tout régler. On marche dans tous les sens, la quête, la tension et puis le niveau. Donc quand on se prend une contre-performance, il faut la prendre avec sérénité et voilà. It's my first time here, I've never been here before. We loved it because we won both the mutual and then now also the Grand Prix, and so we won both, so we are very happy. Our owner is from Ukraine. It's our second regatta here in Douarnenez, and so far it's never been easy for us. So it's really hard to find the wind shifts, and especially when the course is close to shore, it's really hard to read the wind and see what's coming next. If you have to go right or left, it's not easy. C'est le 13e anniversaire du Grand Prix et c'est le plus bel événement qu'on ait organisé. Il y avait un plateau fabuleux. J'espère que les 12 prochaines années, ça sera aussi bien. Les éditions se suivent, ne se ressemblent pas sur le plan de la météo. Par contre, sur le plan de l'ambiance à terre, sur le plan du plaisir sur l'eau, je crois qu'il était là cette année encore. On est super content de terminer ce Grand Prix avec un magnifique ciel bleu et de rattaquer l'année prochaine dans les mêmes conditions. Stop départ. GV.